Jingle bell, Salut à tous, c'est Kenjel. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur FIFA 17. Donc, ça va être un squad builder d'une petite équipe. Petite équipe entre guillemets. Donc, elle coûte environ entre 100 000 et 150 000 crédits. Donc, c'est une hybride. Donc, on va déjà commencer par le gardien. Donc, c'est Ter Stegen. Donc, il a été à 2000, moi. Donc, j'ai fait 30 parties avec. Il était pas mal. Mais je pense que maintenant, vous pouvez le trouver à 1500. Donc, ça fait un petit moment que j'ai cette équipe. Ça doit faire quelques semaines, une ou deux semaines. Donc en défenseur gauche j'ai tout simplement Fabio Quintrao. Je trouve pas mal. Donc j'ai mis Quintrao pourquoi? Donc vous pouvez mettre Marcelo si vous avez des crédits. Moi j'ai mis Quintrao pour l'aligner tout simplement au défenseur central français du Real Madrid, Raphaël Varane. Et Raphaël Varane c'est tout simplement un monstre sur ce jeu. Surtout déjà avec sa taille, sa défense, sa vitesse et son physique. Je trouve qu'il est vraiment pas mal Varane. Donc ici j'ai mis Mustafi. Donc 3100 crédits, excusez-moi. Donc j'ai mis 3 buts, les 3 buts c'était sur corner. Je trouve très très bon de la tête. Et donc après au cas j'avais mis Ter Stegen. Mais vous pouvez mettre Sech si vous avez des crédits pour l'aligner tout simplement à côté de Mustafi. Et en défenseur droit j'ai mis tout simplement un monstre, Bellerin. Vous pouvez le mettre en attaque, en milieu, en défense. Au cas je pense même, il est vraiment très très bon. Donc on m'a fait 3 passes décisives, c'était 3 centres avec sa vitesse, franchement. Vous pouvez accélérer, centrer et surtout avec mon buteur qui peut mettre des très très bonnes têtes. Après nous avons le capitaine de l'équipe, donc Blaise Matuidi. Donc un monstre, donc c'est le joueur le plus cher de cette équipe, 46 000 crédits. Donc là on va voir son prix, je pense qu'il a baissé. Vous pouvez le trouver, voilà 42 000, il y a des offres à 42 000, etc. Donc en tout cas c'est vraiment un monstre. Après à côté de lui j'ai mis Pastore, le deuxième milieu du Paris Saint-Germain. Donc Pastore, 8 passes décisives et 2 buts pour 30 matchs joués pour un milieu central. Je trouve que c'est pas mal. Et voilà le troisième, donc c'est Marco Verratti. 87 de dribble, 4 étoiles de mauvais pied, 4 étoiles de geste technique. Il m'a fait 3 passes décisives, 4 buts en 28 matchs. Au passage, Verratti, il a vraiment, pourtant sur sa carte, il a 83 de passes. Mais sur le jeu, j'ai appris. Oh, il me fait des passes magnifiques, Verratti. Et on passe à Atlag. Donc, en ailier droit, Lucas. Donc, Lucas, il a 8 matchs joués vu que j'avais utilisé pour un défi, pour un squad builder challenge. Donc, j'ai racheté. Il a fait 8 matchs, 5 buts et une passe décisive. Un monstre, Lucas, surtout. Avec sa vitesse et 80 gestes techniques. En ailier gauche, Franck Ribéry, 5 étoiles de geste technique, 4 étoiles de mauvais pied. Donc lui il a 24 matchs, 12 buts et 9 passes décisives. Donc vous pouvez mettre Coman si vous n'avez pas assez de crédit. Moi j'ai mis Ribéry, donc là il était à 23 750. Mais je pense qu'il a baissé. Donc on va aller voir ça tout de suite. Alors Franck Ribéry. Ah non il a augmenté, 26 000. Moi j'ai acheté à 23 000. Donc voilà, j'ai fait une petite affaire dessus, mais de toute façon, je compte pas le vendre. Ribéry, c'est vraiment un monstre. Et en buzzer, j'ai mis Toto Müller, Thomas Müller, 3 étoiles de geste technique. Je les ressens pas, de toute façon, moi je skip pas trop. Et donc 35 matchs joués, 24 buts et 9 passes décisives. Franchement, sa vitesse, il est. Je trouve que ça va, me dérange pas trop sa vitesse. Parce que sur ses côtés, sur les côtés, de toute façon, j'ai 2 joueurs rapides, Franck Ribéry et Lucas. Donc voilà, des très très bonnes stats. 83 de tir sur tous ces stats in-game. Ils sont plutôt pas mal avec son 1m86. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc je vous montre l'équipe. Donc elle m'a coûté entre 100 000 et 150 000. J'ai oublié. Donc là, vous pouvez faire des affaires. Ou donc Ribéry, je pourrais. Donc maintenant, Ribéry l'a augmenté. Il y a des joueurs qui ont baissé tout simplement. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like, à mettre un commentaire. Dites-moi en commentaire si vous voulez plus de squad builder. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde, c'était KSG.